c'est quoi cette tête? Mais c'est quoi cette voix? Mon Zizi! Maman! Va appeler la police! Maman! Te voilà, ma petite fête. Viens prendre ton petit déjeuner. Ma petite quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que tu vas être encore en retard si tu ne viens pas boire ton chocolat maintenant, ma chérie. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est pas possible. Laisse ta sœur tranquille. Dis donc, mademoiselle, on dirait que c'est ton petit frère qui t'a coiffé ce matin. Mon petit frère. C'est malin, tu l'as vexé. Oh, les filles. C'est pas possible. Je vais ouvrir les yeux et tout va redevenir normal. Salut, Tita Fête. T'es encore en pyjama? Je t'attendais en bas, mais on allait être en retard. T'as eu une panne d'oreiller ce matin? T'as rêvé de Kevin Lover? tu veux dire que les copines? Bien sûr, les meilleures copines du monde. Mais qu'est-ce que t'as? T'es bizarre aujourd'hui. C'est le cours de danse ce matin, ça va être trop génial. T'as pas oublié ton collant, hein? Je sais pas, j'ai déjà oublié mon zizi. Hein? Quoi? Pouah, laisse tomber. Ça t'est vraiment bizarre, hein? Moi, si c'est un truc comme ça, c'est carrément incroyable à ton petit zizi. Et vous avez vu la coupe de Clara? Comment elle se la pète trop ou quoi? Et son nouveau foulard? En rose, hein? Il est trop mignon, le chat sur ton portable. Je l'adore. En plus, j'adore ce rose. Moi aussi, j'en ai un. Sauf que c'est un poney. Au secours, au secours, au secours, au secours. Quoi, tu te fêtes? Manu! Oh, Manu, faut que tu me sortes de là, j'ai un gros problème. Hein? Manu, j'ai plus de zizi. Ouais, d'accord, salut, au revoir, merci. Manu, c'est moi, Titeuf, ton meilleur copain. Eh, mais ça va pas, au secours. Ben dis donc, tu dragues genre commando, toi. Mais laisse tomber, les garçons de cette école, c'est tous des nazes de toute façon. Sauf Marco. Ah ouais, Marco, il est trop chou, quoi. Marco, il est pas mignon du tout, c'est qu'un gros nul. Et pourquoi tu dis ça? Je le connais bien, il est tout pourri, il a des chaussettes trouées. Et des fois, il mange même ses crottes de nez. Comment tu sais ça, toi? Bah, je le sais, c'est tout. Dégoûtant. Salut, les vieux filles, ça oise? Dégage, pauvre nul. Ouais, va manger ta morve ailleurs. Et bon appétit, merci. Quoi? Super, ouais. Ça a du bon d'être une fille, finalement. Tiens, regarde qui voilà. Salut, Nadia. Ouais, salut les filles. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux mon numéro de slip? Hein? Quoi? Mais, non. T'es toute rouge. Ça veut dire que t'es amoureuse. Hein? Mais ça va pas, la tête. Je peux pas être amoureuse d'un garçon, c'est dégoûtant. T'as raison, ils sont trop nuls. Allez, viens, on va se préparer pour la danse. Tite fête. Ouais, d'accord. Hé, hey, tu te trompes de vestiaire, c'est par là. Ah oui. Je vais dans le vestiaire des filles. Je vais dans le vestiaire des filles, génial. Bon, maintenant que je suis une fille, bah, c'est pas si génial que ça, en fait. C'est pas génial du tout. Les filles, si on n'est pas un garçon, c'est pas hyper intéressant. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire de la danse. Nous allons répéter les figures de la semaine dernière par deux. Silence! Manu avec Nathalie, Hugo avec Thérèse, François avec Adèle, Hervé avec Clara, Jean-Claude avec Noémie, Nadio et Tite Fête. Hein? Quoi? Mais hey, quoi? T'aimes la danse, toi? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es bizarre. Tu m'étonnes que je suis bizarre. J'ai des nénés. T'as un zizi? Je suis copine avec Dumbo. Y'a quoi de bizarre? Ouais, en tout cas, t'es sympa pour une fille, je veux dire. Ouais, merci.
C'est la première fois que t'embrasses un garçon. Que j'embrasse un garçon? On se réveille, petite marmotte? Allez hop, petit déjeuner. Rêve débile, tiens, t'es redevenue une fille, toi. Tu vas voir ce que ça fait de tirer sur les cheveux. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? C'est elle qui a commencé. Chaud, tu te... Wow, t'en tires une tronche ce matin? T'en rêves ma tronche cette nuit? Hein? Non, rien. Tiens, là, tiens, j'ai fait un rêve et t'étais dedans. Tiens, moi aussi. Ah, oh, c'est vrai? Oui, je marchais dans la rue et t'étais une crotte de chien. Excellent! Comment tu l'as trop cramé. Trop nul, les garçons. Bien dit. Bah, mon vieux, c'est pas ton jour. En tout cas, elle était plus sympa avec un zézé. Hein? Ah, rien, laisse tomber. Salut les filles. Tire-toi, pauvre naze, t'auras jamais la classe de Kevin Lover. Oui, Titeuf, j'attends. Toute la classe attend. Oh là là, le nul. Kevin Lover, il paraît qu'il était surdoué à l'école. Il avait que des 10 sur 10. Waouh, ça m'étonne pas. Tiens, c'est trop dur. Regarde-le, Kevin Lover, lui, il fait 6 heures de gym par jour. C'est pas une pauvre corde qui l'arrêterait. Ah ouais. Pour être méga en forme pour ses concerts, il faut au moins ça. Trop classe, bravo. Ah ouais, hein, bravo. Kevin Lover ne ferait certainement pas des trucs aussi dégoûtants. Et pour mon exposé, j'ai décidé de vous parler du plus grand chanteur de tous les temps, Kevin Lover. Ouais. Oh là là, trop nul. Quand je serai grand, je me marierai avec Ramato. Elle au moins, elle aime pas cette tête de slip de Kevin Lover. Nadia, bah, c'est fini. Pff, tu dis ça tout le temps. Cette fois-ci, c'est pour de bon, c'est définitif. Je vais la retirer de mon cerveau. Hein? T'as toujours le bouquin de ta mère sur l'hypnotisme? Ouais, je crois. Hey, mais t'as raison. L'hypnose permet d'oublier des événements douloureux de sa vie. C'est ça. Nadia, c'est le côté douloureux de ma vie. Surtout quand je débaffe. En pénétrant dans son cerveau, on accède à sa mémoire. Voilà. Tu vas m'hypnotiser pour que j'aille dans mon cerveau et que j'efface Nadia de ma mémoire. Mais tu seras pas triste de plus te souvenir d'elle? Bah non, puisque je l'aurais oublié, débile. Oh, c'est bon. Alors, je compte jusqu'à 5. 1. Tu es tout petit, tout petit. 2, tu es de plus en plus petit, rikiki, vraiment minus, comme une poussière de crotte de bébé mouche. Ah ouais. 3, tu rentres dans ton corps. 4, tu remontes vers ton cerveau. Et à 5, tu y seras. Attention. 5. Alors, tu y es? Tuteuf! Ouais, ouais, c'est bon, ça y est. Vol direct jusqu'à mon cerveau. Bravo, Manu, t'es un pro de l'hypnotisme. Ouais. Little girl, tell me how you feel. Bon? Manu? Oui? Il est un peu bizarre, mon cerveau, là. Y'a des trucs louches qui posent, en plus. Bah, ça doit être des muscles que tu prépares pour plus tard quand tu seras fort, non? Ah non, ça ressemble pas à des muscles, hein. C'est peut-être des boutons d'apnée pour quand tu seras adolescent. Ah! Manu, c'est des plantations de nichons qui poussent. Hein? Non, attends, ça se peut pas. Ça se peut pas, mais c'est là. Oh non, je vais avoir des nichons quand je serai grand, c'est trop bizarre. Manu, je suis dans le cerveau de Nadia, au secours! Quoi? Dans le
cerveau de Nadia, je te le dis, Manu. Oh là là, mince alors, l'immeuble de Nadia. Je dois avoir un super méga fluide d'hypnotisisme pour t'envoyer jusqu'au cerveau de Nadia, t'imagines? J'imagine surtout, c'est que je suis dans le cerveau d'une fille. Une fille, Manu, c'est à quoi perdre son neurone du GG? Faut que tu me sortes de là tout de suite. Ok, du calme, je vais compter jusqu'à 5 et tu vas te réveiller. 1, 2, 3, 4... Welcome. Little girl, tell me how you feel. Would you like to check it out? Would you feel my skin? Encore cette tête de slip de Kevin Lover. Manu, attends un peu, je crois que j'ai une méga idée. Au lieu d'effacer Nadia de ma mémoire, je vais effacer Kevin Lover de la mémoire de Nadia. Enregistré de nouvelles données, Kevin Lover n'est qu'un pognon de sale débile de slip. Et il déteste Nadia. Kevin Lover est un pauvre noob de sale débile du slip. Il déteste Nadia. Enregistré. Titeuf, ça a marché. Hein? C'est Nadia, elle arrête pas de dire du mal de Kevin Lover, viens voir. Kevin Lover, c'est qu'un gros débile, ce mec. Mais tu peux pas dire ça. Ouais, bah non, t'as pas le droit, tu vois. Moi, je dis que si, c'est qu'un pauvre nain, je le déteste. Tu veux vraiment y retourner? Bah ouais, faut que je dise trop du bien de moi maintenant. Comme ça, elle sera amoureuse de moi. Génial. Après, tu m'enverras dans le cerveau de Dumbo. Bah pourquoi? Pour rien. Enregistre une nouvelle donnée. Titeuf est un garçon trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste. Titeuf est un garçon trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste. Enregistré. Salut Nadia, comment ça va aujourd'hui? Ça va trop bien, je suis amoureuse. Oh ouais, c'est vrai, cool. Et t'es amoureuse de quelqu'un que tu n'aimais pas trop avant, c'est ça? Je le détestais avant. Ah voilà, c'est ça, tu le détestais, c'était qu'un pauvre gnoc. Un sale débile. Mais maintenant, tu l'aimes trop de l'amour qui donne envie de faire des bisous. Ah oui. Mais ça va pas la tête. Bah t'as dit que t'étais amoureuse de moi. De toi? Mais t'es dérangée ou quoi? Je suis amoureuse de Kevin Lover, j'ai toujours aimé que Kevin Lover. Bah, hier tu disais que tu le détestais. Parce que hier il a dit qu'il allait se marier avec une autre fille, une pauvre débile. Mais sur internet, ils ont dit que c'était qu'une rumeur. Kevin est toujours célibataire et un jour, je le sais, on se mariera. Bah qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, je sais pas, c'est un coin devenir psychopathe du cerveau. Elle dit qu'elle aime toujours cette sale tronche de Kevin. Bah peut-être qu'elle a reprogrammé son cerveau pendant la nuit. Tu veux dire qu'elle s'est hypnotisée le cerveau toute seule? Bah ouais, je vois que ça, ou alors c'était pas son cerveau. Bah c'était le cerveau de qui alors? Titeuf. Hein? Quoi Titeuf? Qu'est-ce que j'ai? Je ne savais pas qui tu étais, mais je sais que tu es trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste. Hein? Oh non. Oh. C'était le cerveau de Dumbo. Oh non. Ah! Voix de l'homme, Big Love. Papa, maman, tu es rentré? Va vite faire tes devoirs, mon chéri. Ah ouais, les devoirs, toujours les devoirs. J'ai même pas 5 minutes pour... Jouer. Gégé, espèce de cacarotte et tout pourri, t'es complètement fêlé du bancal. Je vais te faire bouffer ta morve des pieds. Qu'est-ce qui m'arrive? Papa? Non, non, tu t'es cassé la voix, Titeuf. Ça ira mieux dans un jour ou deux, je pense. Bonne réponse. Bon. Ta nouvelle voix, elle est méga démente. Super over méga démente, tu veux dire? T'as crié sur Zizi et hop. Ouais, et hop, c'est arrivé comme ça, d'un coup. Mortel. Vas-y, mon petit doudou. Fais ta petite crotte dans le caniveau, mon mignon. Fais ta petite crotte dans le caniveau, mon mignon. C'est trop drôle. Oh,
Oh, mais c'est mon petit joli bébé à moi, ça. Dada, gazou, apa, youyou, gaga. Oh là là, mais c'est un joli petit bébé à moi, ça. Dada, gaga, youyou, gaga, 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 gaga. Fais gaffe, le grand Diego va encore essayer de nous piquer des trucs. Hey, top la casquette, pile ma taille. Rends-la-moi, Diego. Hey, tu la veux? Tu la veux? Eh ben si, prends-la. Diego! Diego! La police! Hein? Prends cette casquette à Manu, illico rapido, presto cappuccino. Prends cette casquette ou je te dépressionne la tronche avec mon bazooka. Ouais, c'est bon, je la regardais juste, la casquette. Tiens, tiens, la voilà, mon pote. On est potes, hein. Et salut, hein. Et comment il s'est dégonflé du slip, le grand Diego, là. Je vais vous interroger sur la poésie « Maman est une fleur » que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. Oh, j'ai complètement oublié d'apprendre... Titeuf, puisque tu bavardes, au tableau. Oh non... Allez, Titeuf. Maman est une fleur. Maman est une... Hein? Mais stop, Titeuf. Quoi? Mais tu aurais dû me prévenir que ta voix était enrouée, enfin. Tu ne dois plus parler, sinon tu risques de l'abîmer encore plus. Retourne à ta place. Je vais interroger quelqu'un d'autre. Eh, cette voix, elle est trop over-méga mortelle, en fait. Il a même fait peur au grand Diego. Trop cool. Trop facile avec cette voix, je peux faire tout ce que je veux, en fait. Ouais, tu peux faire chanteur d'opéra comme Luciano Pataturotti. Italia, au pays des molles. Oh ouais, trop vache-tache en plus. Vous pouvez pas le faire, vous, avec vos voix de minus de slip. Ouais, bah moi, j'ai pas une voix de minus du slip, hein. Oh non, c'est vrai, toi, t'as une voix d'humidificateur de slip, en fait. C'est sûr qu'on peut faire des trucs encore plus déments. Ouais, mais quoi? La cantoche. Très bien, ce menu. Asperge à l'entrée, puis chou-fleur à la vapeur. Très bien. Alors, merci, monsieur le directeur. Oui, au revoir. Attendez, chef. Monsieur le directeur. Oui, mais ça va pas du tout, en fait, ce menu. Je veux que vous fassiez des frites. Plein de frites. Toutes les frites. Que des frites. T'as frites, vous êtes sûr, monsieur le directeur? Quoi? Vous discutez mes ordres? J'ai dit des frites! Oui, monsieur le directeur. Des frites, hein? Bon, ok, d'accord, monsieur le directeur, des frites. Des frites, génial! Ah ouais, trop cool! Ouais, super, des frites! Ouais, génial! Bravo, Titeuf, t'es le meilleur! Ah ouais, c'est cool! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez bourrer de graisse le corps de ces pauvres enfants? Mais c'est vous qui m'avez dit, monsieur le... Les frites, c'est 5 fois par jour! Comme je mens! Mais qui a dit ça? Mais c'était pas possible! Non. Oh, c'était le meilleur repas de ma vie! Pour les frites, je sais pas comment t'as fait, mais merci, c'était trop trop bon, quoi! Si j'étais toi, je profiterais de ma nouvelle voix pour aller la draguer. C'est le moment. Tu crois? Bah ouais, il a raison. Une voix grave, les filles, elles peuvent pas résister. C'est viril. Viril? Mais oui, c'est comme si t'avais des poils dans la voix. Elle va craquer, c'est sûr. Bah ouais. Vous avez vu le concert de Kevin Lover à la télé? Oh, c'était génial, c'était tellement bien. Alors, les filles, ça gaze? Nadia, tu es ma princesse. Sans toi, baby, je suis plein de tristesse. Je suis comme un chien sans laisse. Oh, Nadia, Nadia, Nadia. Oh, Nadia. J'aime trop ta nouvelle voix, ça me fait des frissons dans le dos. Ouais, tu peux te frissonner le dos autant que tu veux. Nadia, Nadia, Nadia. Titeuf, la maîtresse m'a dit que t'avais mal à la gorge. J'ai un sirop qui va tout de suite agir. Non, non, elle est très bien, ma voix. Je veux pas la changer. Mais j'ai dit que j'en voulais pas. Qu'est-ce que... Oh non. Titeuf a une voix de petite fille.
Oh, la honte, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Big Love. Regardez tout ce que j'ai retrouvé, un vieux doudou de Zizi. Et hop, pour toi, Zizi. Tiens, chérie, ton écharpe, celle que je t'avais offerte et que t'avais oubliée chez maman. Ah ouais, merci, chérie. Quoi, arrête Et pour toi, Titeuf, j'ai retrouvé ce slip. Ça en fera toujours un de plus. Hein? Prends-le. Et bah quoi, mon Titeufounet, qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, j'ai le slip maudit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce slip est tout ce qu'il y a de plus normal. Il est même très joli, je trouve. Joli? Mais il est maudit, dépêche tes culs. Papa, aide-moi, je veux pas mettre ce slip. Papa! Oh là là! Ah non, moi je trouve que ce slip est très joli, Titeuf. Lâcheur, t'as qu'à le mettre si tu le trouves joli. Ah, désolé, fiston, les slips, c'est comme les brosses à dents, ça ne se prête pas. Mais alors, pas du tout. Oh, je mettrai jamais ce slip. Il est trop dangereux pour mon Zizi. Hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Non, c'est celui-là, t'es sûr? Ouais, et il est encore plus moisi du Zizi qu'avant. Qu'est-ce qu'il a, ce slip? Bah, il est maudit. Un slip maudit? Ouais, l'année dernière, la mère de Titeuf voulait lui acheter des slips. Sauf qu'ils avaient plus mes petits slips préférés, tout blanc et tout mignon. Alors le vendeur est allé dans sa réserve et il a trouvé ce slip. Alors j'en ai trouvé un, dame. Il fera très bien l'affaire, n'est-ce pas? Formidable, quelle chance, merci. J'ai tout de suite vu qu'il était louche, ce slip. Les coutures sur le côté faisaient comme des yeux. Hein? Des yeux qui regardent ton Zizi? Des yeux de démon. Le démon qui habite ce slip. Oh. Alors moi, bah, je voulais pas le mettre, mais ma mère, elle m'a obligé. Oh non! Tu vas mettre ce slip, petit œuf. Tous les autres sont sales. Tu as mis le slip, maudit? Bah ouais, mais j'ai pas eu le choix, là. Et après, ça a été terrible. Ouais, j'ai été maudit toute la journée. J'ai eu zéro en maths. La maîtresse m'a surpris en train de faire une bombe à eau. J'ai eu un avertissement. Nadia m'a giflé 12 fois. Et le pire de tout... Oh, mais c'est quoi? Regarde! Hé, regardez, il y a Titeuf qui a fait caca dans son slip. Il est tout noir. Ouais. Faut être maudit pour se taper la honte comme ça. Maudit. Et même tes proutes, ils sentaient la mort. Bah, je me souviens, j'ai survécu de peu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Raconte. Bah, j'ai compris que je devais me débarrasser de ce slip. Sinon, il allait m'arriver malheur. Vas-y, Titeuf, enlève-le, tu peux y arriver là. J'ose pas le toucher. Tu dois le faire, Titeuf, ou ton Zizi sera maudit. Ton Zizi, Titeuf, t'as sauvé ton Zizi. Bah ouais. Oh, ouf. Après, on l'a acheté, fini le slip maudit. Enfin, c'est ce qu'on croyait en fait. Mais il est réapparu ce matin. Il s'est fait passer pour un vieux slip oublié. Mais je l'ai reconnu. Il est de retour. Oh là là, ça fout la trouille, votre petit... Je suis maudit du slip noir. Au secours, il a un slip maudit. Au secours. Ma mère va encore m'obliger à le mettre. Cette fois-ci, mon Zizi, il va pas survivre. Et qu'est-ce qu'il va te faire, à ton avis? Bah, je sais pas. Peut-être qu'il va me moisifier le Zizi. Et mes enfants, ce seront des champignons. Oh, mais c'est horrible. Je suis là, t'inquiète pas, je vais t'aider. Oh, ouais. T'es prêt? Ouais. Mais c'est lequel, le tiroir avec les slips? C'est celui de mes lieux. Attends. Vas-y, prends-le, là. Attends, c'est pas facile. Attends, voilà. Ça y est, c'est bon. Ouf. Ça va, il a pas résisté. Ouais, ça doit cacher quelque chose, hein. C'est trop simple. Mais non, t'as vu comment je lui ai défoncé sa tronche de slip maudit? Ça a dû lui faire méga peur. Ah bah, j'espère bien. Ouais, mais t'inquiète. Oh non! Tiens, au fait, tu sais ce que j'ai trouvé dans la poubelle hier soir? Non. Le slip noir de Titeuf, il est gonflé quand même, hein? Oh, j'espère que tu l'as remis dans son armoire. Et comment, oui? Quoi?
Quoi? Il est revenu tout seul dans le tiroir? Je te le dis, on peut pas s'en débarrasser comme ça de ce slip. Faut utiliser les grands moyens. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? J'ai bien réfléchi, il faut tuer le démon qui est en lui, comme dans le film. Sors de ce slip, démon! Sors! Hop! Aïe! Ah, tu fais moins le malin, sale démon du slip! Je sais pas faire ça, moi. C'est simple, il faut lui planter un pieu dans le cœur. Ils ont un cœur, les slips? Mais c'est pas le slip, c'est le démon qui est dans le slip qui a un cœur. C'est pour qu'on lui plante le pieu. Ouais, mais c'est chaud quand même, là. Allez, Manu, quoi, t'as dit que tu m'aiderais. Madame, y'a Titeuf qui fait rien qu'à parler de slip à côté de moi. Je n'arrive pas à me concentrer pour mon écriture. Titeuf, zéro. Manu, pitié, t'as vu comment je suis maudit avec ce slip? J'ai encore d'avoir un zéro, là. Bon, ok, d'accord. Super, tu viens dormir chez moi, on fera ça pendant la nuit. Titeuf! Voilà. Allez, on dort maintenant, à demain les enfants. Ouais, maman. C'est bon, on y va. Le slip sur la tête, c'est obligé, là? Bah ouais, le slip blanc, c'est les gentils. Ils vont nous aider à lutter contre le démon du slip. Bah, j'espère qu'il est propre. Ça, j'en sais rien. Mais concentre-toi, on a un slip démoniaque à détruire. Allez, ton texte. Ah oui, par la blancheur du slip immaculé, nous nous dressons contre le démon du slip maudit. T'es sûr pour le texte, là? Bah ouais, je l'ai piqué dans un film. Continue. Ok. Et nous te disons, meurs, sale slip. Meurs, sale slip. Tiens, 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 hop, allez, tiens. Meurs, sale slip, maudit. Meurs. Oh, bah, ma zizi. Oh, non. Non, mais ça va pas la tête de faire un trou dans un beau slip comme ça, vous êtes pas bien. J'en ai assez, Titeuf, tu porteras ce slip demain, même avec un trou au milieu. Hein? Maman, mais demain y a gym, tu peux pas me faire ça? Je n'en ai rien à faire. Bon, juste. Oh, oh là là, comment tu vas faire? Y a pas de doute, il est maudit du slip. Alerte aux pigeons. Le tiers état représentait la majorité de la population. Les paysans, les artisans, les commerçants, c'était une catégorie généralement très pauvre. Quoi? C'est déjà l'heure de se lever? Pas de panique, les enfants. Nous allons sortir en rang bien sagement. Qu'est-ce qui se passe, madame? Maintenant que Titeuf est réveillé, pourquoi le réveil il continue de sonner? Ce n'est pas un réveil, Thérèse, c'est l'alarme incendie. Il y a le feu, madame. On va tous mourir, les gars. Super. Mais non, allons, calmez-vous. On va tous mourir, les gars. On va tous mourir. On va tous mourir. Laissez-moi passer, bande de débiles. Oh, tu m'en fais mal. Je suis sourd, j'ai une bosse et il n'y a pas le feu. C'est quoi cette arnaque? C'était un exercice, les enfants, pour voir votre réaction. Nadia, ça n'allait pas du tout. Tu ne dois pas paniquer. Demain, il y a un autre exercice. Je compte sur toi pour faire un effort. Oh non, pas encore! Les gens qui paniquent, ils peuvent même tomber dans les pommes! Tomber dans les pommes? C'est pas possible, y'a que des mandarines à la côté! Oh, dans les pommes, c'est s'évanouir, graine de slip! Et si ça arrive, faut faire du bouche à bouche! Du bouche à bouche? Ouais, on souffle dans la bouche et on appuie sur les nénés! Ah. Tiens, y a encore un incendie! Ah non, 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 mais non, c'est la sonnerie de la récréation, Thérèse! En tout cas, si Nadia panique demain, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, t'as raison, si Nadia tombe dans les pommes ou dans les mandarines, je pourrais lui faire le bijou du bouche à bouche et la ranimer en lui appuyant sur les nénés. Manu, tu peux m'aider à m'entraîner pour le bouche à bouche? Ça va pas, je suis pas homosexuel, hein, puis j'ai pas de néné, moi, de toute façon. Ah bah merci, hein, je crois que t'étais mon pote. Oh. Titeuf, mais qu'est-ce que tu... C'est un exercice pour l'école. D'ailleurs, il me faut des pommes pour que l'ours y tombe dedans. Tu peux m'en apporter, maman, s'il te plaît? Oh là là.
Et même d'après, j'ai révisé à mort avec mon nounours. J'ai un pote, lui, en moi. Hein? Il a des nénés, ton nounours? Il a des nénés, ton nounours? Quoi? Ça va, c'est bon. Et si Nadia tombe pas dans les pommes, d'abord? Oh, ce sera la catastrophe, j'aurais révisé pour rien. Ouais, parce que tu comprends. Ouais, très bien. Oh, elle a pas l'air paniquée du tout, là. Ouais. Salut, Nadia. Hein? T'as entendu pas avec l'exercice d'aujourd'hui? C'est pas un exercice, c'est pour de vrai, va y avoir un vrai incendie. Quoi? C'est ce qui s'est passé dans l'école d'à côté, on m'a dit. D'ailleurs, il y a eu un mort, hein. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, voilà, mais je veux pas t'inquiéter, hein. Allez, salut! Oh. Oh non! Je vais rentrer chez moi! Je vais rentrer tout de suite! C'est bon, calme-toi! C'est bon, elle est prête. Le tiers état est le seul ordre à payer de lourds impôts pour financer les guerres du royaume, tandis que le clergé et les nobles ne paient rien grâce à leur statut privilégié. Tout doucement. Oui, voilà. Dans le calme, les enfants, dans le calme. Yes. C'est bon, je suis prêt. C'est déjà la récré? Mais non, cette fois-ci, c'est l'alarme incendie. Ils n'ont toujours pas éteint l'incendie depuis hier. Ce n'est pas grave. Laisse tomber, Thérèse. Allez, c'est bon, tu viens maintenant, tout de suite. Mais tu vois pas qu'elle est complètement paralysée par la peur? Tu veux des pommes? Mais tire-toi, pauvre naze, t'as rien demandé. Eh oh, j'ai révisé mes cours de secourisme, hein. Mais de quoi tu parles? Alors, là-bas, on se dépêche. Allez, va-t'en, il y a Manu qui s'évanouit là-bas. Faut que tu lui appuies sur les nénés. Mais oh, qu'est-ce que vous fabriquez? Madame, il y a Vomito qui a vomi et Thérèse qui cherche de l'eau pour éteindre l'incendie. Oh, ce n'est pas possible. Oh, allez, toi, tu viens. Et Titeuf, puisque tu as des notions de secourisme, je veux que tu aides Nadia à sortir tout de suite. Oh, allez. Vous inquiétez pas, madame, elle s'est évanouie et je suis fait de bouche à bouche. Bouge pas, Nadia, j'arrive. Voilà, ça c'est des super pommes, tu peux y aller. Mais t'es débile! Tout va bien, Nadia, je suis là. J'ai tout bien repéré, je sais où je dois souffler, où je dois appuyer, pas de problème. Mais qu'est-ce que tu racontes? Porte-moi plutôt, j'arrive pas à me lever, j'ai peur! T'es porté? Tu vas pas t'évanouir là, plutôt? Porte-moi, je veux sortir d'ici! Allez, dépêche-toi, je veux pas mourir! Bougez-vous, moi j'y vais. Non, Titeuf, je t'en prie, tu vas mourir. Je dois y aller, ils le font. Oh, ce Titeuf, il a toujours été si courageux, quel héros. Oh non, tout s'effondre, c'est fini, oh mon Dieu, Titeuf. Non, là, regardez. Il faut lui faire du bouche à bouche, mais qui va se dévouer? Moi, je m'en charge. Titeuf? Courage, mon garçon. Oh, je vous en prie, ce n'était rien, j'ai fait du secourisme dans le temps. Hé, Titeuf, faut pas paniquer, hein, c'est un exercice en fait. C'est vraiment des fillettes, ces garçons. Ça panique pour rien. Ah, il s'en remettra jamais, hein. Non, c'est sûr, c'était le baiser fatal. La maladie de baiser. Ouais, c'est vrai que... Non mais t'as vu ça? C'est méga crado. Et encore là, le mec il est plus grand, donc ça va, il avale pas la salive de sa copine. Quoi? Comment ça? Normalement on avale la salive? Bah oui, c'est le principe des écluses, comme pour les rivières. Avec la pente, le liquide il coule en dessous.
si on apporte un tabouret pour que les deux soient au même niveau. C'est encore pire, t'imagines, du coup les deux salives se mélangent. Oh, c'est pas possible, il doit y avoir un truc pour éviter ça. Bah, moi je dis que le seul truc c'est de s'entraîner pour apprendre à pas trop baver en fait. Ouais. On peut quand même pas s'entraîner ensemble, hein, c'est trop dégueu. Ouais. Mais bon, il faut bien qu'on s'entraîne. Ouais. Qu'est-ce que... Mais pourquoi tu frappes jamais? J'en ai marre que tu me fasses des violations de vie privée. C'est mamie au téléphone, elle veut te dire bonjour. Lucie, je vais pas te demander un service. T'es dark de m'embrasser. Quoi? Attends, c'est pas de l'amour, hein, c'est juste pour s'entraîner. Sinon, un jour, si je me noie dans les chutes de Niagara, eh ben, ce sera ta faute. Attends, s'il te plaît, faut vraiment que j'apprenne comment on fait. Je veux pas passer pour un pauvre gnoc. Tout ce que t'auras et t'as pas intérêt à le répéter, compris? Ça va, t'as l'air bizarre. Ouais, j'ai embrassé ta sœur. Quoi? N'importe quoi, pourquoi j'aurais embrassé un mioche comme lui? Je savais bien que c'était rien que de la frime de gros crâneur. Toi, tu me prends pour un mythologie man ou quoi? Lucie, dis-lui que c'est vrai. Tiens, mais c'est possible. Si c'était sur la bouche, ses lèvres étaient comme des bonbons à la fraise. On est resté comme ça, comme si le temps s'était arrêté. Waouh. Et pas une goutte de salive, hein. Elle a même dit que c'était le meilleur baiser de toute sa vie jusqu'à maintenant. Elle a vraiment dit ça, t'es sûr? Bah ouais, pourquoi elle l'aurait pas dit? Hé hey, les gars, attendez-moi. Désolé, je suis en retard, c'est ma sœur, elle était malade ce matin. Elle est malade? Qu'est-ce qu'elle a? Le médecin a dit qu'elle avait la mononucléose. Bah quoi? Je connais, c'est la maladie du baiser. Ça s'attrape en embrassant quelqu'un sur la bouche. Oh, on peut attraper des maladies en embrassant une fille. Jean-Claude, une fois, eh ben, il a rendu malade une fille rien qu'en lui parlant. Pff, n'importe quoi! Ça se peut pas d'abord! Si sa sœur a la maladie du baiser et que toi tu l'as pas, ça prouve que tu l'as pas embrassé et que t'es rien qu'un gros menteur. Je suis pas un menteur d'abord. Moi aussi, je l'ai la mononucléose. C'est juste qu'elle est pas encore sortie. Et moi, je te parie que t'es qu'un gros vantard. Ouais, c'est ça, ouais. Si je tombe pas malade rapido, tout le monde va me prendre pour un sale frimeur de slip. Ouais, Romuald, j'ai une question à te poser. Comment on sait qu'on a la mononucléose? Je suppose que tu veux dire mononucléose. Les symptômes de la mononucléose sont fièvre, fatigue, angine, céphalée, douleur. Attends, j'ai rien compris là. Tu peux pas répéter avec des vrais mots, s'il te plaît? Si je devais traduire pour un esprit simple, je dirais que ça ressemble à une grippe. Une grippe? Et comment on l'attrape sans embrasser? Par contagion microbienne, évidemment. Il faut être en contact rapproché avec un malade. Lui serrer la main, toucher à ses mouchoirs, entre autres. Merci. Super, merci Romuald. De rien. J'imagine qu'il faut que je partage un peu de mon savoir. Tiens, faut que je chope les microbes de quelqu'un. C'est pas gagné. Parvax, pas le choix, c'est mon ultime chance. Salut Marv... Max. Ça va? Je peux me mettre là? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein, tous les deux. Bah on s'est vu hier en courant. Ouais, mais ça me fait plaisir de te voir. On se serre la main, entre copains, allez. Bah qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Et si c'est pour me copier dessus pendant l'interro de Géo, bah tu peux toujours courir, hein. Tiens, c'est pas vrai, comment je vais faire? Hé Romuald, les éternuements, ça marche aussi pour la contagion microbiotique, là, ce que tu disais? Éternuement, postillon, crachat, morve, salive. Compris. Et sinon, tu me laisseras copier sur toi, hein, Géo? Salut. Max, est-ce que t'as fait l'exercice de... Désolé. C'est de la faute de Titeuf, il lui a chatouillé le nez. Attends, laisse-moi t'expliquer. Nadia, je peux t'en prendre un peu. Peur, mais t'es vraiment trop dégoûtant. Dégage. Merci. Hey, Titeuf, on fait un foot, tu viens? Non, je peux pas, j'ai un truc méga urgent à faire. Laisse, il est malade, faut qu'il se repose. C'est sa mononucléose. Ah, enfin, la voilà, ma mononucléose. Ouais. J'ai donné tellement de baisers, c'est normal. Guéris vite, et apprends-moi à embrasser. Ok, attends.
Mais tu fouilles dans les poubelles, t'es vraiment trop dégueu. J'ai glissé, c'est rien qu'une chute par accidentalité. Ça peut arriver, non? Oh, le nul. Oh, maman, que ça t'en faut que je te demande un truc. Quoi encore? Mais pourquoi tu me suis partout comme un petit chien? Ok, bouge pas, d'accord? Ça fera pas mal. Vous voyez, je suis pas frémeur de slip, hein. Je l'ai là, mon dos. Ce serait pas plutôt la mononucléose de Morvax? Il nous a dit que tu l'avais embrassé. Quoi? Pas du tout, c'est lui qui s'est collé à moi, ce pauvre York. Ouais, bah on saura jamais. Et moi, je dis que t'as jamais embrassé ma sœur, voilà, c'est tout. Ah, bonjour. Bonjour, je viens voir Titeuf. Je voulais lui proposer de faire une promenade au parc. Oh, Ramatou, désolé. Il ne peut pas, il est malade. Il a la mononucléose de Morvax. Ouais, pas de chance. Non, c'est pas vrai. J'ai pas la mononucléose. Je reviendrai demain ou après-demain. Ramatou, tu peux m'embrasser si tu veux. J'ai pas la maladie de la bouche ni rien, c'est juste dans le nez. Ramatou! Danse de slip. Bah, qu'est-ce que t'as? T'as le moral dans les chaussettes? Ou alors ton moral il doit sacrément puer tes pieds. Ouais. Oula, mais t'as l'air vraiment pas bien. Ouais, c'est mon père. Qu'est-ce qu'il a ton père? Bah, je sais pas justement, mais il est bizarre. Il s'habille plus. Quoi? Ouais, il est tout le temps en slip. Tu veux encore une tartine, Titeuf? Bonjour, les enfants. Oh. Allez, Titeuf. Je suis rentré, maman. Hein? Allô, papa. Et j'étais comme ça depuis une semaine. C'est bizarre. Et ta mère, elle dit quoi? Et maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Écoute, il te le dira lui-même, d'accord, mon chéri? Il faut lui laisser un petit peu de temps. Si ton père, il reste toute la journée à la maison, c'est qu'il travaille plus. Ou alors, il travaille la nuit. Tiens, je l'aurais vu s'il travaillait la nuit. Ah ouais? Comment, puisque tu dors? Ah bah ouais. Vous croyez qu'on cache quelque chose? Ouais, ça doit avoir un rapport avec le fait qu'il est toujours en slip. Peut-être qu'il est stripteaseur, ton père. Parle pas de mon père comme ça. Ça va, c'est bon. Et c'est quoi un stripteaseur? C'est des messieurs qui se mettent tout nus devant des dames. Ils se déshabillent en dansant comme ça. Ouais, n'importe quoi. Bah en même temps, ça expliquerait pas mal de choses. Il reste en slip parce que c'est sa tenue de travail, en fait. Arrêtez, mon père, c'est pas un stripteaseur. Salut, papa. Salut, papa. Salut, mon fils. Pourquoi t'es en slip? Bon, à quoi bon s'habiller, hein? Mais t'as plus de neurones ou quoi? Il faut mettre des habits, c'est obligé. Je t'aime tellement, mon fils. Papa, tu pleures ou quoi? Non, t'inquiète pas, c'est cette émission qui me fait pleurer. Va jouer dans ta chambre. Chez toi pour jouer à la console? Non, plutôt chez toi, parce que chez moi, il y a mon père qui squatte la télé. Bloque-toi! Regarde, c'est mon père! Bah, je croyais qu'il était tout le temps en slip! Bah ouais, à la maison! Viens, on le suit! Mais une autre partie de méga kill! Allez! Hugo, il raconte à tout le monde que mon père, il fait la danse du slip. Je peux pas le laisser dire ça, il faut que je sache la vérité. Ouais, ok. Ralentis, il va nous voir. Oh, il marche tellement doucement que même en le suivant, on risque de le dépasser. La salle de gym. Bah, c'est quoi ce truc? On dirait qu'il répète une danse. Oh, mais t'as vu, le prof, il a un slip au-dessus de ses collants. Oh non, c'est un prof de... Danse du slip. Oh là là. Alors c'est vrai, mon père, c'est un strip slipper. Non. Oh.
Et maintenant, ce que vous attendez tous, la corinthe, la sexy, l'endiablée, la danse du slip. Ouais, vas-y, mon doudou slip. Ouais, vas-y, fais péter le slip. Ouais. Oh, c'est horrible. Mon père, c'est qu'un obsédé de slip, en fait. Mais tu sais, peut-être qu'il gagne plein d'argent et du coup, il va t'acheter plein de trucs. C'est ce que font tous les pères lorsqu'ils ont honte. Waouh. Mais j'en ai rien à faire de l'argent, t'imagines, tu deviens connu? Hey, regarde, Titoff, il y a une affiche pour le spectacle de ton père. Et puis là encore, il s'habille pour sortir, mais peut-être que bientôt il restera tout le temps en slip. Même grand. Oh, papa, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je sors du boulot, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai rendez-vous avec ta maîtresse aujourd'hui, hein. Oh non! Bonjour, madame. Hein? Il faut arrêter ça. Mais comment tu vas faire? Cette nuit, je l'empêcherai d'aller à son boulot. Je vais le surprendre. Ouais, ça c'est parler. Une discussion de slip d'homme à slip d'homme. Exactement. Je lui dirai qu'il doit arrêter le slip et reprendre son boulot d'avant où il s'embêtait dans un bureau. Ah, pauvre innocente. Si tu savais ce que fait notre papa. Hein? Hein? Papa, je t'en supplie, n'y va pas. Je veux pas que t'ailles dans cette tournée en slip. Hein? Titeuf, mais... Je vais me servir un verre d'eau, c'est tout. C'est pas la peine de le cacher. Je sais que tu vas sortir pour faire du striptease de slip. Oh, mais qu'est-ce que... C'est quoi cette histoire de slip? Mais j'en sais rien, je te jure. Mais t'es en slip toute la journée, tu bosses plus le jour et puis tu vas à des cours de danse de slip. Bon, il faut que tu lui dises maintenant. Bon, très bien. Je ne sais pas ce que tu as imaginé, Titeuf, mais c'est juste que je suis un peu... voire beaucoup déprimé. À cause de ton travail de slip? Non, à cause du travail que j'avais avant et que j'ai perdu. Je suis au chômage, Titeuf. T'as perdu ton travail? Et t'as aussi perdu ton pantalon? C'est juste que quand on est déprimé, on n'a même plus la force de s'habiller. Plus la force de s'habiller? Bah heureusement que t'es pas méga déprimé, sinon tu serais carrément tonné. Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur que tu prennes ton papa pour un gros nul. Et les cours de danse de slip, alors? C'était un cours de gym. Le docteur m'a dit que ça me ferait du bien. Oh, je suis désolé, fiston. Oh, mais non, c'est génial. En fait, t'es juste déprimé. Oh, j'ai cru que tu dansais en slip devant les filles. Hein? Oh, Titeuf. Oh, alors là, je suis méga rassuré. Hein. Merci, papa. Titeuf, c'est sérieux, là. Je t'annonce que j'ai perdu mon travail. Bah ouais, t'en retrouveras un autre, t'inquiète. Moi aussi, ça m'arrive de perdre des trucs. Mais t'as intérêt à prendre un boulot avec un pantalon, hein? C'est trop bien. Quand je dirai ça à Hugo, ça va lui trouver le slip. Et non, mon père, il est pas stripteaseur, il est juste déprimé. Alors, Titeuf, tu t'entraînes pour être stripteaseur comme ton père? Mon père, c'est pas un stripteaseur, c'est un déprimé, ok? Ouais, ouais, ça va, ça va. La puce de Gégé. C'est pas vrai. Allez, les enfants, on s'applique pour le cadeau de la fête des mères. Madame? Oui, Titeuf? Je peux aller aux toilettes? Oui, bien sûr. On verra. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'est que j'ai un truc bizarre, mon Gégé. Hein? Bah, tu le répètes pas, hein, mais en fait, mon pipi part dans tous les sens. Mais comment ça, dans tous les sens? Bah, je voulais faire pipi, normal, quoi, mais tout d'un coup, j'ai fait pipi partout, même sur moi. Oh, mais Burk dégueu, tu t'es fait pipi dessus! Silence, au fond! Reprenez vos travaux! Bah alors, t'arrives plus à contrôler ton geyser de pipi? Alors là, c'est trop la honte! désolé. Il doit bien y avoir une explication scientifique. Ton zizi a changé de taille? Bah non. Ton pipi a une couleur normale? Bah ouais.
Bizarre. C'est peut-être la mutation de la puberté du Zizi qui commence. Tu veux dire que Titeuf, il serait précoce de la puberté? Ben ouais. Ça se peut pas, il a même pas de poils sous les bras. Et puis j'ai pas non plus de bouton d'apnée, hein. Mais comment tu vas faire? Tu vas devoir t'asseoir aux toilettes maintenant. Comme une fille. Comme une fille. Même si t'as pas envie de faire caca. Non mais c'est pas possible, hein. Il doit y avoir une solution. Peut-être que t'as contrarié ton zizik, maintenant il est pas content. Ah ouais, il se venge. Il se venge de quoi? Vous êtes débile, je vais rien faire mon GG. J'ai lu quelque part que les zizis pouvaient être possédés par un esprit malfaisant. Oh tu rigoles? Non, non c'est vrai, moi aussi j'ai entendu ça. C'est ce qui t'arrive, c'est sûr. Oh là là, non. Ah miam miam. Oh, oh non. Non non non. Ah, mais Titeuf! Titeuf! C'est pour moi! Pitié, Zizi, pas devant Nadia et Ramat. C'est comme mon grand frère, il a fallu lui couper le bout du Zizi parce que c'était trop serré. Hein? Quoi? Comment? Ouais! Mon frère a grandi super vite, mais sa peau de Zizi est restée petite, alors il a fallu lui enlever pour pas que ça se bouche. Parce que ça peut se boucher, hein, Zizi? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Enfin, je veux dire... Pauvre petit œuf. Oh non. T'inquiète pas, Titeuf, t'as qu'à te faire circoncire le zizi comme mon frère. Circoncire le zizi? Ouais, ça se passe comme ça, tu vas à l'hôpital et on te coupe le bout du zizi. Oh mais oui, la circonvision, c'est hyper courant, j'en ai entendu parler. Dans certains pays, ils font ça à tous les garçons. Je crois que Maxime, eh ben, il se l'est fait déjà couper. Couper? Alors mon petit Titeuf, c'est le grand jour, hein. Je vais te la couper. Non. Viens, on va demander à Maxime de nous raconter. Maxime, je peux te parler d'un truc méga sérieux? Un truc d'homme, tu sais? Hein? C'est vrai que t'as plus de GG. Quoi? Bah, t'as pas eu de circoncision? Ah, de circoncision. Si je l'ai eu, on me l'a fait quand j'étais bébé parce que je suis musulman. T'as plus de GG depuis que t'es bébé? Mais non, t'es bête ou quoi? On te coupe juste le couvercle du zizi, pas le zizi entier. Le couvercle du zizi? Non, mais c'est pas vraiment un couvercle, ça s'appelle le prépuce. Bon, allez, salut. C'est quoi cette histoire de puce? On a une puce dans le GG. C'est peut-être pour ça que ça gratte parfois. Alors? Bah non, j'ai pas de puce. Il dit n'importe quoi, Maxime. Mais si à l'hôpital, ils ne trouvent pas ta puce de zizi, alors là, c'est sûr, ils vont te le couper en entier. Oh non. Oh non, oh non, oh non, oh non! Mon zizi! Non, pas d'eau pour moi. J'arrête de boire, comme ça, j'aurai plus jamais envie de faire pépé. Et du coup, pour la peine de circoncire le zizi. Ouais, bonne idée! Eh, hey, mais t'es trop un génie, t'as trouvé la solution à ton problème! Non, mais vous êtes givré, si on boit pas, on meurt. Hein? Oh non. Eh ouais, pas bête. Si tu pleures, t'as plus besoin de faire pipi. Tu fais pipi par les yeux. Et tes yeux, bah, ils seront pas bouchés. Génial, t'as trouvé. Oui, c'est dégueulasse, je peux pas faire pipi par les yeux. Bah, c'est ça ou plus de zizi. Oh, j'ai fiché. Revoir l'infirmière, elle a peut-être une solution. Ouais, à chaque visite médicale, elle regarde nos zizi. Elle a dû en voir des milliers. Ça doit être une pro du zizi. Hein? Oui, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit Titeuf? C'est parce que... le zizi... Quoi? Non, mais... le zizi... Hein? Mais parle plus fort, enfin! Je veux pas qu'on me coupe le zizi! Eh, oh! Mets-toi en slip! Et voilà, c'est bon, tu peux te rhabiller. Ah oui, c'est vrai que vous êtes une peau du zizi, hein, j'ai rien senti. Et puis vous m'avez coupé un bout vraiment minus, hein, je vois rien. C'est parce que j'ai rien coupé du tout, j'ai nettoyé ton zizi, tu avais de la colle dessus. De la colle? Ah oui, j'ai utilisé de la colle pour le cadeau de la fête des mères, j'en avais sur les doigts quand je suis allé aux toilettes. Et c'est pour ça que tu faisais pipi dans tous les sens. Et donc pas besoin de me couper le zizi? Couper le zizi? Ça n'existe pas de couper le zizi. Mais c'est la circoncision, Maxime, il a dit que... Lors de la circoncision, on enlève seulement le prépuce. Ah bah justement, je comprends rien à cette histoire de puce, là. Et voilà, bande d'inclus de Zizi, c'est comme ça que ça se passe. Regardez, ça, c'est le prépuce. Parfois, on le coupe pour des raisons religieuses et parfois parce que ça fait mal. Et c'est pas grave du tout, hein. Il est vachement grand, Zizi, je comprends qu'on en coupe un bout. C'est une image agrandie de Zizi, pauvre gnoc. Oh, ah, ok.
Grâce à l'infirmière, s'il y a un contrôle sur le zizi, j'aurai 10 sur 10. Ça remontera à ma moyenne. Ouah, c'est trop bien d'être un pro en zizi. Oh, oh, viens, Gofret, si c'est pas malheureux d'entendre ça. Qu'est-ce qui se passe? Nadia, tu peux lui caresser la tête si tu veux. Oh, c'est vrai, je peux. Merci, Jean-Claude. C'est trop doux. Bah, c'est quoi cette bestiole? C'est une gerbille d'Australie. Elle est à Jean-Claude. Elle est trop chou, quoi. Oh, mais regarde-le avec son truc à poil qui les attire toutes. Et je la joue méga séducteur. Et si tu veux, se laisse la prendre dans tes mains. Tiens. Ah, ouais, trop cool. Merci, Jean-Claude. Oh, un bisou pour tenir un truc en poil de gnocque. Oh, j'hallucine. Alors il suffit d'amener une bestiole ridicule pour draguer les filles. Ah bah moi aussi je peux le faire. Ouais, je vous connais, vous allez encore faire n'importe quoi avec mon rat domestique. Mais non, on fera super attention. De toute façon, on fait toujours super attention, hein Manu? Ouais. Allez, Lucie, quand les filles verront sa petite tête et ses petites oreilles, elles seront toutes folles de moi. Mais regardez, il est trop mignon. Mais surtout, pointez le pas comme ça, tu vas le faire tomber. Mais t'es malade ou pas? Serve pas, Mimité, t'es pas à la hauteur. Arrête de te la jouer, sale frimeur. Ta gerbille, elle est toute tordue et un peu d'abord. T'es jaloux parce que toi, t'as qu'un sale rat tout moche. Ça, de toute façon, le rat, il était pas à moi, il est à la sœur de Manu. Moi, j'ai vachement mieux, hein. Je peux avoir un bébé T-Rex. N'importe quoi. Le gros frimeur, ça existe plus, les dinosaures. Alors, quand je t'en amènerai un, on verra que c'est le plus gros frimeur de Slip. N'importe quoi. Mais comment tu vas faire pour trouver un bébé T-Rex? Je croyais que c'était un truc des hommes préhistoriques. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Par contre, j'ai intérêt à trouver quelque chose, hein, sinon je vais passer pour un gros nage. Je sais pas trop. Hé, regarde ça, trop mortel! C'est lui qui m'en faut. Mais regarde le prix, trop cher! Pour le choix, faut le fabriquer en laboratoire avec de l'ADN de dinosaure. L'ADN de dinosaure? Ah ouais, tu sais, comme dans le film Jurassic Dinosaure. L'ADN, c'est comme un mini-dinosaure microscopique qui est dans son sang. Avec cet ADN, tu peux fabriquer un dinosaure. Ouah, trop génial! Mais où est-ce qu'on va trouver de l'ADN de dinosaure? Bah, suffit d'attraper un moustique à piquer un dinosaure, on prend son sang et hop, on a l'ADN de T-Rex. Ensuite, il n'y a plus qu'à cloner le T-Rex. Bah comment tu sauras que c'est de l'ADN de T-Rex? Si ça se trouve, ce sera l'ADN du chien de Madame Glouy. Faut prendre un vieux moustique. C'est ça qui a des poils au menton comme la maîtresse. Mais les T-Rex, c'était il y a des millions d'années, ça vit aussi longtemps, un moustique. Bah ouais, sinon ils n'auraient pas pu faire le film. Oh bah ouais, c'est vrai, t'as raison. Oh, t'as vu comment il est poilu celui-là? Il a dû en piquer des T-Rex. Ah ouais? Rentre pas! On est en pleine manipulation génétique-écologique! Hein? Oh là 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 là! T'es sûr que j'ai pas écrasé l'ADN avec? Pas possible, l'ADN c'est micro-turboscopique. C'est plus petit qu'un zizi de molécule. Ça y est! Maintenant faut transférer l'ADN. Passe-moi un œuf. Dis l'œuf, t'as pas peur que ça donne à T-Rex sa tête de poulet? Tiens, mais tu connais rien en génétique-écologie. Un œuf, c'est pas comme un poulet, c'est comme une graine. C'est l'ADN qui compte. Il suffit de le mettre à l'intérieur en perçant l'œuf sans... Ah, ah bah, sans le casser. Bon bah, celui-là est compté pour du beurre, hein. Allez, tu m'en donnes un autre? Ouais, tiens. Je t'avais dit qu'on allait réussir. Ouais. Maintenant, faut le mettre sous couveuse. Allez, dors bien, bébé T-Rex. Grandis bien. Oh, un bébé T-Rex. Trop mignon. Trop cool.
Oui, presque aussi mignon que toi, jolie mâche. C'est super long la génétécologie. À ce rythme-là, il va pas naître avant une semaine. Silence! Oh! Satané moustique, je n'arrête pas de me faire piquer en ce moment. Oh, et s'il y avait de l'ADN de la maîtresse dans le moustique? Oh là là! Ça fera peut-être rien. Tu parles, la maîtresse aussi elle date de la préhistoire. C'est sûr, son ADN va se mélanger à celui du T-Rex. T'imagines la bête que ça va donner? Oh là 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 là. Oh non, trop tard. Il est né. Oh non. Oh, il est en train de manger. Peut-être qu'il mange ma sœur. Oh non. Non. Ah, touche pas à ma sœur, sale gnocco. Ouais, touche pas à la sœur de Tite. T'as tapoté? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue garder ta sœur, voyons. Je lui ai fait une bonne petite omelette, hein, Zizi? Mais c'est fou, vous n'avez plus un seul œuf dans le frigo. Heureusement, j'en ai trouvé un dans ta chambre. Oh non, mon T-Rex. Ta sœur est sans pitié, manger un bébé T-Rex quand même. On n'a pas le choix, je te dis. Faut faire un méga stock de moustiques si on veut que ça marche. Ça me coule dans les oreilles, ton truc. Arrête de râler, ils vont sentir le miel. Ça va les attirer, on n'a rien de temps. Attends, le miel, ça attire pas les moustiques, ça attire... les abeilles. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mordre par ton rat. La ferme, espèce de gnocque. C'est de la science expérimentale. Tu peux pas comprendre. C'est quoi ça derrière toi? C'est Manu? Non, c'est... mon yeti domestique. Dans quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est qui le plus fort, hein?